Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on verra comment je suis devenu millionnaire à 17 ans. Je vous raconte tout de A à Z, mon parcours pour qu'aujourd'hui je me retrouve dans cette grande villa à Dubaï en train de vivre la vie de rêve. Alors installez-vous et c'est parti. Bien sûr c'est faux, aujourd'hui c'est l'avant-match. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait d'avant-match. On va essayer de parler du FC Barcelone qui joue la Coupe du Roi, le 16e de finale. Donc il y a encore beaucoup d'équipes, il y a encore de la marche. On va essayer de voir ensemble comment se préparer, ou plutôt, comment ne pas me mettre en colère. Hein? Là, moi, sur cette vidéo, tu vois, je suis un peu chaud, j'espère que vous êtes chaud aussi et tout. Cette vidéo sort samedi, donc vous êtes tranquille, vous êtes à la maison, vous êtes détente. Certains d'entre vous, vous avez des rendez-vous et tout. Vous avez prévu de faire des belles choses, de sortir, la CAN va commencer, on va se mettre bien, ça fait plaisir et tout ça. Et il y a le FC Barcelone qui va jouer, et on a des joueurs un peu pourris qui vont peut-être rejouer ce match-là. Mais moi, déjà, je le dis d'avance, je voudrais voir Victor, ok? Je pense à un 16e. Tu vois, si ça se passe mal, au pire, tu fais rentrer Lewandowski. Je ne sais même pas s'il fait mieux que Roquet, mais moi, j'ai envie de voir Roquet. Après, on en reparle un peu plus tard. Mais bien sûr, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Faites grossir la communauté. Nous sommes maintenant à 25 000. Je vous remercie pour ça. C'est beau. C'est une belle histoire entre vous et moi. On continue de grandir, on continue. J'espère que l'aventure continuera de vous plaire. Alors, on est parti. S'abonnez-vous. Alors, le FC Barcelone se déplace. Se déplace où, je ne sais pas. Je sais qu'on joue contre une équipe qui s'appelle Barbosa, Barbe Blanche, Union Deportivo Barbosara, un truc comme ça. Juste pour vous dire, c'est une petite équipe. Donc, ça va, on est le FC Barcelone. Si on galère contre cette équipe, je sais pas ce que Xavi continuera de faire sur ce banc. Pour moi, c'est vraiment en fait le match que j'ai envie de voir, parce que c'est vrai, ça peut être un match piège, vous savez, les petits stades et tout ça, peut-être au jour de pluie, à 21h, stade pas bien éclairé, très très proche des fans, ça peut vraiment être très très chiant. C'est souvent même qu'à l'époque, je me souviens quand on jouait la Coupe du Roi une année, avec encore Messi et Dembélé, tout ça. C'était un peu, il y avait quelques matchs, c'était un peu compliqué, même si finalement on avait fini par gagner la coupe. Mais c'est juste pour vous dire que ça peut être un match où les joueurs ne sont pas très à l'aise, petit stade comme je vous ai dit, mais on s'en fout. Ces joueurs sont payés des millions pour nous faire plaisir. Ils jouent au foot et nous, on est assis dans nos salons, dans nos chambres, comme des chômeurs en train de les regarder. Donc s'il vous plaît, joueurs du FC Barcelone, ne nous faisons pas mutuellement perdre notre temps. C'est un petit match, on peut voir un peu plus de certains joueurs, on peut exiger un peu plus de certains joueurs. Certains joueurs qui ne méritent même pas de sentir encore l'odeur du terrain. Déjà, je suis bien content parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Romeo. Et il ne me manque pas, j'espère ne pas le revoir, même si je pense qu'il jouera. Moi, dans mon 11, je le mettrai bas. Vous verrez que moi, je voudrais voir d'autres joueurs, parce que je pense qu'il y a la place. Nos joueurs sont des joueurs de qualité qui peuvent faire du bien. On peut mettre quelques nouvelles têtes, en fait, dans tout ça et ajouter quelques assurances, en fait, pour s'assurer que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas un manque de, je sais pas, de leadership ou d'expérience dans tout ça. Mais moi, personnellement, j'attends que ça soit un match plaisir. J'attends pas 5-0, 10-0. Si on peut leur mettre 10-0, on va le... Non, qu'est-ce que je raconte? Le FC Barcelone de Xavi met 10-0. C'est un match qu'on va sûrement gagner 1-0 à la 75e et tout. Bref. Mais pour que ça ne se passe pas comme ça, moi j'ai un scénario, moi j'ai un plan. La première des choses que Xavi doit faire, c'est rayer le nom de Rafinha. Je veux pas voir Rafinha sur le terrain. Pour moi, vraiment, il faut que l'on ait un gros cœur pour supporter ça jusqu'à la fin de la saison. Parce que je pense que Rafinha ne partira pas en hiver. Et puis, le directeur sportif du FC Barcelone, c'est son ancien agent. Ou plutôt, c'est toujours son agent. Je ne sais pas s'ils sont toujours en contrat. Mais juste pour vous dire que c'est un peu particulier. Et Rafinha ne partira pas de sitôt. Donc, on va se taper Rafinha encore très, 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 très longtemps. Alors, pour se donner à nous, à vous et moi, de l'air, de l'oxygène, j'espère sur ce match que l'on va voir un autre petit. J'espère qu'on va voir Yamal. Donc moi, je ne veux pas voir Rafinha. Je ne veux pas voir Lewandowski. Il y a une petite scène. Je ne sais pas si je veux mettre les images. En ce moment, j'ai la flemme et tout par rapport au Barça. Ça me fatigue. Déjà, dans ma vie personnelle, je suis fatigué parce que je fais un milliard de choses à la fois. Et quand je me pose un week-end, je me pose un petit jour là, un petit jeudi soir, pour mater le club qui m'a fait plaisir et tout, le club du Barça 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Quand tu te poses, tu vois ça, tu te dis, ah, la vie vraiment est dure, hein? La vie est très dure avec moi. Donc, moi, je reste quand même un peu hype. Ce match me hype parce qu'on pourrait voir des jeunes. Ce match me hype parce qu'on pourrait voir certaines personnes sortir du lot. Si vraiment Xavi ne fait pas les changements, au moins, ne donne pas au moins 40 minutes à chacun des joueurs, chacun des nouveaux joueurs que moi je vais citer, je vais considérer que... Qu'est-ce que... Il n'y a même plus à considérer. Pour moi, Xavi est un coach qui a perdu sa personnalité, est un coach qui est tout le temps sur la défensive, est un coach qui est un peu
dans l'illusion, dans le déni, un peu quand on lui pose des questions en conférence de presse. Il dit, ouais, vous me posez toujours des mauvaises questions, mais regardez, l'Atlético a gagné par 1-0, le Real de Madrid a gagné à la 95e minute. Mais mon frère, si tu veux jouer comme l'Atlético de Madrid, dis-nous que non, à partir d'aujourd'hui, c'est Barcelone, c'est le terrorisme. Dis-nous ça. Si tu veux jouer comme le Real de Madrid, complètement dégager le beau football à l'extérieur tant que tu gagnes, vas-y, commençons à payer les arbitres, lançons-nous dans la corruption. Allons-y vraiment tête la première dans un football moche, mais que l'on gagne. Un football qui tourne autour des résultats, mais au FC Barcelone. Comment tu t'étonnes qu'un journaliste te dise « Mais ça va mal quand même. » Et tu lui dis « Mais ouais, on fait que gagner. » Comment ça? Comment ça? C'est ça que Cruyff t'a appris. Ça que t'as entendu de Pep et de Luis Enrique, je pense pas. Donc moi, personnellement, ce match, déjà, je n'attends pas... je veux dire, si on gagne 10-0, c'est pas, je vais pas mettre ça sur le crédit de Xavi. Si on perd, ah, je vais lui taper dessus. Parce que c'est vraiment un match à gérer où tu vas donner des minutes à des petits. Alors, je vous présente mon 11. Ça va aller très très vite. Déjà, en 9... Victor, ok, je vais le voir. Moi, franchement, je pense qu'il a fait une entrée qui était bien. Il a raté une opportunité, vraiment. Le ballon n'est pas assez facile à négocier. Juste avant, il y a un petit rebond qui fait qu'il rate son contrôle. Il rate le tir. C'est ta première occasion. T'es un peu stressé. Il n'est pas très calme. On comprend. Petit de 18 ans, pas de pression. Mais moi, j'aimerais le voir titulaire. Titulaire, pourquoi? Parce qu'on joue contre une équipe qui n'est pas très forte. Une équipe qui va faire sûrement des erreurs. Et lui aura le désir de se montrer. On a vu qu'il a vraiment... Il a du caractère, à un moment donné, il s'embrouille avec un joueur, il le pousse et tout, enfin, quand il fait la faute et tout. Mais moi, je trouvais ça super courageux. T'as 18 ans, t'arrives en Liga et tout, le match se passe mal et tu rentres déjà un peu dedans comme ça. Moi, ça a fait plaisir, tu vois, ça montre une certaine forme de caractère. Donc, pour moi, c'est un match où je voudrais le voir et j'aimerais le voir avec João Félix. Parce que João Félix, j'ai vraiment aimé son entrée. Il a apporté de l'envie, vraiment de l'énergie. Énergie qu'on n'a pas retrouvée avec Lewandowski et Rafinha. Ferran, je souligne qu'il a apporté. Il a apporté son énergie comme d'habitude. Pour moi, Ferran, c'est vraiment un bon super sub. Un joueur, enfin bon, n'exagérons pas. Parce qu'il y a toujours au-dessus, hein. C'est pas Pedro, hein, comme super sub. Mais c'est pour dire que dans cette rotation-là, moi, je ferais plutôt Ferran rentrer en seconde période. Et de l'autre côté, je mets Lamine Yamal, tout simplement parce que Lamine Yamal, il est rentré. C'est vrai, moi, je vous ai dit, il a apporté, il y a eu un peu de nonchalance, malheureusement. Mais même dans sa nonchalance, en 2 minutes, il a apporté plus de danger, a fait des meilleures passes, a apporté plus de choses que Rafinha depuis 450 ans. 450 ans que Rafinha au club, 450 ans qu'on l'a vu, Rafinha était là avant la fondation du club, il n'a rien apporté, il n'a pas apporté autant que Yamal en 2 minutes. Pourtant, Yamal, ce n'est pas la version équivalente de Lionel Messi à ses 20 ans, non. C'est pour vous dire le niveau où se trouve en fait le Brésil, c'est pas possible. Bref, moi je partirai avec ces trois-là. Et au milieu de terrain, petite surprise, je mets Sergio Roberto qui est sur une bonne pente, vraiment. Moi je le remets parce qu'il a une bonne énergie, une bonne vibe, il joue bien. Il faut récompenser ça, même si on veut qu'il parte, il faut récompenser ces 2 derniers matchs qui ont été vraiment des très bons matchs, on va dire. Et il y a Frankie de Jong et je mets Fermín López parce que Fermín, toujours un joueur qui apporte de la tchatch, vraiment de... Tu vois, il te rentre dedans, il tacle, il court, il est partout. Vraiment, moi, j'aime beaucoup son énergie. J'aime beaucoup la dépense d'énergie qu'il peut apporter. Dans un milieu de terrain qui est vraiment manque criant de Gavi, ça peut faire vraiment du bien. Donc, je partirai avec ce milieu de terrain-là en espérant, comme je vous ai dit, voir entrer en seconde période le Casado. Moi, ça me ferait du bien. J'insiste encore sur Casado parce que moi, je ne l'ai pas assez vu. Du coup, moi, je veux plus le voir. Je sais que Roque aura du temps de jeu, mais Casado, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de plus le voir pour voir. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose jusqu'à la fin de la saison avec Frankie et Casado, avec De Jong et Casado, plutôt que, je sais pas, lors du match aller au match retour contre Naples, qu'on se retrouve à mettre du Romeo, vraiment, moi, je vais péter un plan. Donc, moi, ça va être ça mon plan. Et en défense centrale, je repars avec la même défense qui a fini le match précédemment, justement. C'est pourquoi je vous ai dit, pour apporter une certaine forme de maturité, quelque part, une certaine forme d'assurance par rapport aux petits et tout, qui vont peut-être pas être très, très sereins, roqués, tout ça, les Casado. Je mets cette défense-là, ça va me permettre un peu de gérer les attaques des petits qui vont arriver, qui sont en D3 ou je sais pas quoi. Ils vont venir, ils vont se heurter un peu à Rojo. Ça va leur faire du bien, ça va leur faire les dents, comme on dit. Donc, moi, je partirai plus sur un 11 comme ça. Et j'espère qu'on fera un match intéressant. Mais moi, comme je vous ai dit, j'attends pas un match intéressant dans le jeu en mode papa, on fait un truc extraordinaire. Mais j'attends de voir des belles choses de Roque, des belles combinaisons entre Roque et Félix,
Tu vois, ce genre de choses, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de kiffer. Tu vois, j'ai envie de me poser là et tout, de leur balancer de l'oseille et dire, ouais, vas-y, danse. Faites-moi danser, faites-moi plaisir. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà les amis, c'est ça que j'attends du FC Barcelone là. Prendre du plaisir, avoir certains joueurs qui nous donnent quand même un peu de l'espoir. Même si, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas beaucoup d'attentes sur ce Barça là. Je pense qu'en termes d'effectifs, on a les capacités de faire des belles choses. Mais j'ai pas beaucoup d'attentes en termes de... comment tu utilises l'effectif. On fera une autre vidéo pour en parler peut-être. Que la paix soit avec vous les amis. Et peace. S'abonnez-vous.